Je dois vite aller au Lacey Towers avant que la police détruise l'épreuve du crime que le pingouin m'a signalé. Les policiers qui enquêtent sur ce crime doivent avoir une station relais quelque part. Elle doit ressembler à une antenne. Elle est sûrement sur le toit. Tu peux pas faire ça! On dirait qu'on a un combattu! Je serai désavantagé si je ne peux pas entendre les communications de la police. Je dois pirater leur station relais mobile. Rubio, quelle est ta situation? Je fume une clope sur le balcon avec Jiménez. Des types sur le balcon. Ils sont peut-être mon billet d'entrée. Le dossier est bouclé. Le pingouin a tué Black Mask. Et sa gonzesse. Trouver les petites empreintes de cet enfoiré juste à côté des corps. Ouais, on tient le pingouin. J'aimerais bien voir comment il va s'en sortir. Des empreintes, deux cadavres. Je crois qu'il est bon pour la tôle. Ouais, sauf que la scientifique va s'en attribuer le mérite. Et c'est moi qui ai trouvé les empreintes. C'est pour ça qu'on nous envoie d'abord. On peut se servir en premier. Y'a rien pour...
La police pense que le pingouin a assassiné Black Mask. Mais pourquoi m'enverrait-il ici si c'était lui le tueur? Ce n'est pas logique. Ce crime a eu lieu il y a quelques jours. Le feu et l'exposition aux éléments rendent l'identification des victimes difficile. L'homme porte un masque noir, mais je ne peux pas savoir s'il s'agit bien de Roman Sionis sans analyse ADN. Je ne peux pas faire ça sur place. Je peux identifier la victime féminine grâce à ses empreintes. Tiffany Ambrose, la petite amie de Roman Sionis, ou l'une d'entre elles. Ce n'était pas un ange, c'était une délinquante. Mais rien ne semble indiquer que c'était elle la cible. L'incendie s'est déclaré à cause d'un cocktail Molotov lancé dans la pièce. C'était sans doute dans le but de détruire les preuves. La trajectoire basse de la balle suggère que le tireur pourrait être quelqu'un de la taille du pingouin. Mais les marques sur le sol indiquent que la victime a été tuée par une personne enfoncée dans un fauteuil. Cette balle provient d'un revolver. L'analyse balistique indique un angle de trajectoire bas. Le tireur pourrait être quelqu'un de la taille du pingouin. Mais la trace laissée par la poudre semble indiquer que la balle a été tirée par quelqu'un qui était allongé sur le sol. Ces empreintes correspondent à celles du pingouin, mais elles se trouvent par-dessus la suie. La police avait raison. Le pingouin était dans la pièce, mais ses empreintes indiquent qu'il est arrivé après les meurtres. S'il n'a pas tué Black Mask, alors qui? La seule chose dont je sois sûr, c'est que le tueur de Tiffany était allongé sur le sol. Pourquoi? Ces traces blanches, c'est du cirage. Celui qui a tiré sur Tiffany s'est fait traîner sur le sol. En plus des victimes, il y avait deux autres personnes dans la pièce. Le tueur de Tiffany et la personne qui a traîné le tireur. Il faudrait que je découvre d'où est parti le tir qui a tué l'homme. Ici, l'ADN n'appartient à aucune des victimes. À qui est-il? L'incendie s'est déclaré quand quelqu'un a surpris le tireur. J'ignore qui a remporté le combat. Ça peut être l'un comme l'autre. Je dois revoir les preuves pour tenter d'en apprendre plus sur l'intrus ou sur le tireur. L'analyse du tissu indique que l'intrus portait un costume blanc ou une veste de sport. Cet échantillon de tissu devrait m'aider à identifier l'intrus, mais je n'arrive pas à identifier le tueur de l'homme. Il y a une zone d'impact que je n'ai pas encore analysée. Cet ADN provient de la femme qui a été tuée. Le niveau d'oxydation suggère qu'il est là depuis plusieurs jours. Si j'analyse les preuves, je pourrais sans doute découvrir ce qu'elle faisait quand on l'a attaquée. Elle envoyait des messages à Roman Sionis
au sujet de quelqu'un appelé le Joker. Quelqu'un a tué Black Mask, mais ce crime a eu lieu il y a plusieurs jours, alors que j'ai vu Black Mask dans la soirée. Les réponses que j'ai soulèvent d'autres questions. Qui est le Joker? Est-ce lui le tueur? Ou fait-il partie des assassins? J'ai un cadavre, un tireur inconnu et un agresseur non identifié qui a attaqué le tireur. Je dois comparer les échantillons ADN avec ceux de la base de données nationale des criminels pour savoir qui était dans la pièce. Alfred, je dois accéder à la base de données nationale des criminels. La seule façon d'y accéder, c'est de réussir à s'introduire dans les locaux du GCPD. Alors c'est là que je vais. Monsieur, vous devez pirater leur serveur physiquement. Si vous voulez le faire, il vous faut une arme non létale très puissante. Je vous conseille de revenir ici pour prendre le détonateur à concussion. Bonne idée. J'ai rien contre toi, mon vieux! Bienvenue, monsieur. Le détonateur à concussion est sur le plan de travail. N'oubliez pas, si vous l'utilisez au lieu de vos poings, vous ferez moins de dégâts sur les policiers et les employés de l'État. C'est noté. Thank you.
Bien joué, monsieur. Vous avez arrêté l'électrocuteur en un seul coup. J'ai utilisé son arrogance à mon avantage. C'était tellement énorme qu'il aurait pu s'en sortir. Oui, mais je serais étonné que les autres tombent aussi facilement. Si c'est le cas, nous prendrons notre repas de Noël plus tôt que vous le pensez. Des idées à partager ? J'espère juste que tout sera vite résolu. Vos talents de détective sont impressionnants ce soir, Maître Bruce. Dommage que ce ne soit pas réalisable d'un fauteuil. Certains des assassins ont accès à une technologie plutôt intéressante. Quand ce sera fini, vous pourrez peut-être vous l'approprier et tirer profit des événements de cette nuit. J'ai placé trois bombes là où la corruption de Gotham est à son comble. Mais contrairement à mes ennemis, je crois à la liberté. A été doublé dans les locaux de la police depuis la mort de l'homme. Vous allez devoir trouver un moyen d'entrer sans vous faire repérer. Sinon, vous n'atteindrez jamais la salle du serveur. C'est compris, merci. À toutes les unités, on signale des troupes. Attendez la position. Jamais!